Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés. Aujourd'hui, ce logiciel, il est très très utile, très très utile. Ça permet de récupérer des mots de passe. Donc, vous le téléchargez et vous l'installez. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Moi, ensuite, je vais le chercher. Je l'avais mis dans. Si je dis pas de bêtises, je l'ai mis dans le logiciel. Voilà, récolte. Et là, on va le lancer. Récupération automatique, on met suivant. Et là, ça cherche. Donc, le scan, il a fini. Et vous voyez que, y a certaines choses qui ne sont pas affichées. Donc ça, c'est la sécurité de Google Chrome. Ça mettra pas les mots de passe. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ma licence de OBS Studio. Là, il y a ma licence de Windows 10. Là, j'ai mon mot de passe de mon Wi-Fi à moi. Là, j'ai mon mot de passe de mon Wi-Fi de la maison. Donc, c'est vraiment. Par contre, Google Chrome, non, il n'y a rien qui s'affiche. On va fouiller. Donc, c'est vraiment puissant comme outil. C'est vraiment puissant. Donc, c'est utile pour ceux qui ont oublié le mot de passe de leur Wi-Fi ou des choses comme ça. Et ben, vous pouvez récupérer tout simplement. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se rendre compte que Google Chrome et Mozilla, les mots de passe, eh ben, on ne peut pas les récupérer. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va espionner votre PC, il ne pourra pas récupérer vos mots de passe de Google et Mozilla. Donc c'est assez efficace. Moi, je vais récupérer le mot de passe du Wi-Fi de la maison, par exemple. Je mets ça et je mets suivant. Je vais mettre un fichier texte. Je vais mettre Wi-Fi maison mot de passe. J'ai fait une faute. Et je mets suivant. Et voilà. Donc ce logiciel est très très efficace. C'est très intéressant. Ceux qui ont perdu les mots de passe de leur Wi-Fi ou je ne sais quoi, vous pouvez les récupérer. Et je trouve que Google et Mozilla font du bon travail puisqu'il ne m'a pas affiché le mot de passe de ce que je faisais dessus. Voilà, donc ça n'a rien affiché, ça a bien protégé ma vie personnelle. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, en espérant que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, merci à tous.